Dans les bons, je vous ai toujours dit, je suis là pour vous les femmes. Je défendrai les femmes jusqu'au bout. Rien n'est laissé au hasard. Alors, bambote, toutes mes salutations à tous ceux qui me suivent à cette heure-ci, que tu sois en Australie, Nouvelle-Zélande, au Brésil, en Argentine, toute l'Europe, en passant par Allemagne, France, Belgique, Italie, Suisse, Suède, Norvège, aux États-Unis, ici au Canada, au Toronto, Montréal, Colombie-Britannique, Alberta, na pesibino tout bambote. Lelo, eza esengo monene, comment on a fait mariage ya nani, ya rit misamu, mwana ya mari misamu, ekoki sami. C'est effet accompli. 2020, toyebi ndenge makambo ezalaki makelele sur les réseaux sociaux. Même batu oyo batikala jamais kozwa copain balobelaki makambo yango. Batu oyo kutu batikala jamais kozala na mobali 3 mois bango pe bakotaki likambo yango. Juste pour nuire à la fille ici rythme sam. Les gens ont fait des commentaires. Les gens ont dit qu'elle est mariée à un païen. Et à Bali Mupagano, il y a ceci, il y a cela. Tout le monde est devenu donneur de leçons à la fille, à notre sœur Ruth Missam. Mes chers amis, où allons-nous avec tout ça? Des polémiques inutiles. La sœur ici, elle a fait son alliance, elle a fait son vœu. C'est elle qui a fait le choix d'épouser Monsieur Enan, Monsieur Nabos, comme on est qu'il y a calamité. A sali choua na ye yakobala Manix Chimpu. Pourquoi batu lokola bakarine ane passe bango makelele? Oh asali boy, azamula so, asali boy. Est-ce que moi na moi si yo? Nandenge na za komona ye, nandenge na ye belie, nandenge na za kolanda pe ba video na ye na ba nzembu na ye. Si tu biso batu to télécharge ka ba nzembu to za ko streamer ba nzembu na bango. Aucun lien, aucune part n'a tika la koyoka ya lobi, pour na yembe la kanza mene na komi soki, na komi monsanto. Et n'a jamais dit ça. Batunyon so oyo, tout le monde qui prie, qui prêche l'évangile, ils ne sont pas nécessairement des chrétiens. La fille ici à Bali, pourquoi bozo kotisa teja makambo? Bomoni photo, bolobi koutou papa na ya sala ki boy. Koutou e fala keza la boy. Il fait ba sala boy. Me abino ni, bino bobala. Mes chers sœurs, vous qui n'êtes même pas encore mariés, pourquoi vous critiquez les d'autres personnes qui ont quand même atteint ce standing-là de mariage? Il y a des femmes ici, des filles qui critiquent Rythme Sam. Les filles qui n'ont jamais, qui ont été déjà abandonnées plus de 5-6 hommes. Mais c'est vous qui critiquez la fille qui vous a présenté un homme et a épousé l'homme-là. Au lieu de féliciter moi na batu, au lieu de zala moi si a bizouazoua, moi si a goûté laissé, mais elle a choisi d'être honorée et d'être appelée la femme de quelqu'un. Mais ba misousu vous appelez ba femme de quelqu'un, vous êtes des femmes de ces gens-là, des gens, femmes de tout le monde. Yeah, la fille, si elle s'est donnée corps et âme, elle a
tout fait pour honorer sa maman. Elle a chanté, elle chante, elle fait des remixes des chansons de sa mère, pour, ne fût-ce que pour honorer sa mère. On a félicité l'acte là. Mais quand il s'agit de faire le mariage, de faire ce choix, tous les Congolais ont ouvert leur bouche pour critiquer, pour maudire la fille ici. Mais nous, qui défendons les droits de la femme, la valeur de la femme, je ne vois aucun mal. La fille ici, elle a fait un choix, et un choix qui est naturellement à elle propre. C'est elle qui décide qui va épouser, c'est elle qui a décidé qui va entrer dans sa vie. Mes chers amis, vous qui me suivez à cette heure-ci, il ne faut pas épouser quelqu'un puisque les gens vous ont dit, soit puisque l'homme, le monsieur là est comme ci ou comme cela, avec des desseins qui remplissent vos cerveaux, c'est pour cela que vous manquez des hommes. La fille ici, c'est elle qui sait qui pourra entrer dans sa vie. C'est elle qui a Google, qui a fait les recherches sur le monsieur. Elle a vu qu'ils sont compatibles. Elle a vu que le monsieur là pourra être le vrai homme de sa vie. Il a vu que le monsieur là pourra être son protecteur. Il a vu que ce monsieur là, avec elle, ils pourront combiner ensemble leur façon de vivre, leur façon de voir les choses et aller en avant. C'est elle qui a choisi, c'est sa décision personnelle à elle. On peut tout décider pour vous, mais quand il s'agit du mariage, quand il s'agit du choix des partenaires, c'est à vous. Le choix vous revient personnellement. Puisque au cas de danger, il ne faut pas pointer les gens. Puisque c'est un choix que tu fais, ça va t'amener toute la vie. Si ça ne réussissait pas, on va t'appeler divorcé. Si ça ne réussissait pas, on va t'appeler dévergondé. Il y a beaucoup de monde qui vont accompagner votre divorce. Alors, c'est un choix personnel, puisqu'il ne faut pas jeter des cailloux à d'autres personnes qui vous choisissent un homme. La fille ici, personne n'a choisi. On n'a pas vu sur les réseaux sociaux qu'il y a un homme, il y a les noms, soit les tontons ou bien quelqu'un qui les a connectés. Elle nous a montré que Sémanis, il a fait des pas, il a dit qu'il aime la fille. La fille aussi a dit, il a vu le monsieur, il a vu que c'est son choix. Si elle a accepté, Karine Mokoz, où est ton problème? Si elle a accepté, la fille, Grace Mbiz, où est ton problème? Si elle a accepté, Marie-Laure, où est ton problème? Vous trois là, vous faites toujours des boucades dans les affaires déjà. Montrez-nous vos maris. Karine Mokoz, montrez-nous ton mari, un mari qui peut t'honorer comme on a honoré Rythme Sam. Toi, tu as fait habiller beaucoup de bêtes de femmes là chinoises. Tu les as fait acheter des pagnes. Aujourd'hui, sont les pagnes. Où est le mari? Et toi, tu as forcé. Car toi, tu forces les hommes à t'épouser. Tu forces les choses. Tu forces la nature. Pendant que Rythme Sam, elle n'a pas forcé. C'est l'homme qui est venu vers elle. C'est l'homme qui a proposé. C'est l'homme qui a décidé d'épouser la fille, Rythme Sam. Pourquoi la jalousie comme ça? Nous, on est ici pour combattre des antivalères et valoriser les femmes qu'il faut, à la place qu'il faut. Rythme Sam, courage et félicitations. Ce que la communauté devrait dire, ceux qui aimaient ta maman, ceux qui aimaient la musique de ta mère, ils devraient t'accompagner avec des paroles de bénédiction, les paroles de sagesse. C'est ce qu'on a besoin. On n'a pas besoin de polémiquer sur des choses inutiles. On a besoin de jeter des fleurs à notre sœur, là où elle est partie, qu'on lui souhaite des bonheurs, des paix. Amour, la joie. On n'a pas besoin des inutiles comme ça. Car il faut comprendre, il faut changer la façon de faire les choses. La fille ici, c'est ta sœur. La fille ici, c'est votre petite sœur. Si vous étiez amie à sa maman, donc vous êtes sa tante, vous avez l'âge de sa maman. Pourquoi des bêtises comme ça? Pour nous qui supportons, nous qui aimons les femmes congolaises, nous qui aimons les femmes africaines, nous qui soutenons les femmes africaines, nous souhaitons une bonne chance dans la nouvelle aventure du mariage que tu as entrepris. Nous te souhaitons la joie, nous te souhaitons le bonheur, nous te souhaitons la paix. C'est ce que Rythme Sam a besoin. Elle n'a pas besoin de polémiques inutiles. À la fin du compte,
Ce n'est pas vous qui aviez donné la dot à Manix. Ce n'est pas vous qui aviez choisi Manix pour la fille là. C'est son choix. Elle n'est pas votre famille. Elle n'est pas votre sœur. Elle n'est pas votre cousine. Nous avons tous une dénomination commune. Dénomination commune. Congo. La République démocratique du Congo. C'est tout. À part ça, chacun a sa vie privée, sa vie personnelle. Vous n'avez pas le droit d'aller critiquer les maris de quelqu'un parce que vous êtes Congolais. Vous n'avez pas le droit d'insulter les gens parce que vous êtes Congolais. La fille ici a ce choix. Elle a choisi d'aimer Manix. Elle a choisi de vivre avec Manix. Où est votre problème? Elle a vu que le monsieur là, c'est le monsieur qu'il faut, c'est le monsieur qu'il fallait dans sa vie. C'est le monsieur qu'il faut pour avoir des affaires avec. Vous critiquez le monsieur là. Le monsieur a des affaires par-ci, les affaires des affaires par-là. Mais est-ce que c'est lui le premier à épouser une femme avec des affaires? Ou bien c'est lui qui va épouser, qui va faire ce qui n'a jamais existé? Tout ce que vous voulez dire, tout ce que vous allez critiquer, il n'est pas le premier. Il y a des gens qui ont été abandonnés par leurs femmes. Il y a les hommes, les femmes qui ont été abandonnées par leurs époux. Il y a aussi les circonstances qui peuvent faire que les gens ne vivent pas ensemble. Puisque quand on dit on s'aime, le mariage, le mot aimer, cela ne veut pas dire qu'on va nécessairement vivre ensemble. Pour vivre ensemble, il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses autour du mot amour. Pour que vous puissiez vivre ensemble. Le monsieur, s'il a des affaires à l'extérieur, si ça n'a pas marché, donc est-ce qu'il est obligé de mourir? Est-ce que la vie ne va pas continuer? La vie va continuer là où il est parti. La femme ici, la rythme, elle sait que le monsieur a des affaires, par exemple. Si elle a le monsieur a des affaires, mais elle est la vie qu'elle peut être, elle peut épouser le monsieur. Où est votre problème? Vous là qui critiquez, vous les femmes, vous critiquez. Vous n'avez jamais couché avec les hommes qui ont des affaires. Vous n'avez jamais envié les hommes qui ont des affaires. Pourquoi c'est mal pour la fille ici? Ça vous fait mal. Pourquoi la fille ici vous fait choquer? C'est la jalousie, c'est une jalousie pure et simple. Selon moi, c'est une jalousie pure et simple. Laissez la petite sœur ici. La petite sœur pour moi, la grande sœur aux autres, la tantine à certains, on peut dire aussi la... on peut dire la stepmother aux d'autres aussi. Alors moi qui défends toujours l'intérêt et la valeur de la femme africaine, congolaise en particulier, je te souhaite la bonne chance, une bonne la paix, la joie, l'amour partout où tu iras dans ton mariage.